Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des faire-part, chose dont je ne vous ai quasiment jamais parlé, en tout cas pas sur YouTube, et qui est pourtant très important. Si ça fait partie des casse-têtes un petit peu comme le plan de table, c'est hyper important et pourtant je sais que vous avez souvent beaucoup de questions. À quel moment l'envoyer? Sous quel format? Quelles informations est-ce qu'il faut mettre? Mais également, comment recevoir des questions, des réponses rapidement de la part de nos invités? Je vous propose aujourd'hui de vous parler de tout ça pour vous éclaircir sur le sujet et pour que ça puisse vraiment être un élément qui va vous aider et vous apporter des informations pour votre mariage. Je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine et fondatrice du premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, que vous pouvez rejoindre peu importe où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage. Si vous n'avez pas de wedding planner, je vous assure qu'une petite aide professionnelle pourra que vous faire du bien, vous aider à apporter cette petite touche finale à votre mariage pour qu'il se passe vraiment sereinement. Pour en revenir au faire-part, avant même de vous donner tous ces conseils, déjà j'avais envie de vous parler de ces faire-part et parfois la différence qu'il peut y avoir entre les faire-part et les save the date. Il faut savoir que les save the date, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'avant on avait l'habitude de recevoir simplement le carton d'invitation, ce qu'on appelle aujourd'hui le faire-part. Aujourd'hui, on dissocie bien les deux avec le save the date qu'on envoie à partir du moment qu'on a la date pour annoncer à tout le monde qu'il va y avoir un mariage sans forcément rentrer dans les détails, et ensuite à quelques mois du mariage, on renvoie le faire-part. Le faire-part, bien évidemment, ça reste une invitation. Ça reste un moyen un peu plus formel de pouvoir avertir vos invités qu'ils sont invités à votre mariage, mais beaucoup plus loin que ça, ça doit être vraiment quelque chose qui doit vous aider pour la suite de vos préparatifs, qui doit vous donner d'énormes informations sur tous vos invités et qui doit vraiment être ici pour apporter quelque chose et non pas seulement pour faire joli. C'est pourquoi je vous propose que l'on parle de tous ces conseils qui vont pouvoir vous aider avant même de les envoyer. Bien évidemment, la première question à vous poser, c'est le format. Sous quel format l'envoyer? Et bien aujourd'hui, vous êtes très libre. Vous avez le papier qui reste l'option numéro 1 si vous voulez aller apporter vraiment cette touche de décoration, parce qu'au final, ça fait partie quand même de cette petite touche de décoration, la ligne directrice qu'on va avoir de notre mariage. Donc ça reste l'option la plus choisie, mais sachez que tout ce qui va être numérique et digital aujourd'hui sont de plus en plus présents également. Si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans un graphiste design et après de devoir l'imprimer, sachez que vous pouvez aujourd'hui même le créer vous-même sur des sites comme Canva. Moi, je l'offre en bonus à tous mes futurs mariés du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, où je les aide à créer, que ce soit une vidéo, un design qui aille en rapport avec bien évidemment le mood board que je leur fais dès le premier rendez-vous. Et ensuite, vous avez également aujourd'hui un format encore digital, mais qui là va être un peu plus poussé, ce sont les sites internet. Vous avez aujourd'hui des sites internet qui fonctionne en guise de faire-part. Vous allez pouvoir avoir le déroulé du jour J où les invités vont pouvoir répondre directement en ligne, et qui du coup est aussi très facile et une option. Donc à partir de ce moment-là, la première des choses à déterminer, c'est quel format vous allez vouloir. Moi, je vous compare de comparer les prix, puisque selon ce que vous allez choisir, évidemment les prix sont différents, et de choisir le format que vous souhaitez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de choisir le même format pour votre save the date que pour votre faire-part. C'est-à-dire que généralement, si on investit dans du papier, c'est plus souvent sur les faire-part, et les save the date, c'est plutôt une jolie vidéo ou alors un joli design qu'on va faire directement sur l'ordinateur et qu'on va leur envoyer. À partir du moment que vous avez choisi le format, vous vous demandez peut-être à quel moment envoyer aussi bien le save the date que le faire-part. Même si sur cette vidéo, on va plutôt parler des informations du faire-part, je vais essayer à chaque fois quand même de vous parler un petit peu du save the date pour pouvoir répondre aussi à vos questions, puisque j'imagine que vous en avez également. Alors bien sûr, le save the date s'envoie avant le faire-part. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Est-ce qu'il est conseillé? Oui. Pourquoi? Parce que le faire-part, vous verrez qu'on l'envoie bien après, et c'est vrai que sur tous ces mois, bah, dans tous les cas, il va falloir avertir vos invités. Ensuite, en termes de délai, ça va dépendre aussi de où vous allez vous marier. Plus vous allez vous marier loin, et pour les mariés qui vont se marier à l'étranger notamment, on va les envoyer quand même un petit peu plus tôt, puisque ça demande à vos invités une certaine organisation
d'organisation, de réserver des avions, de réserver un hôtel, de booker un séjour, de prendre des congés, forcément on aura besoin de s'y prendre plus à l'avance. Mais reprenons un exemple de si vous vous mariez en France à côté de chez vous et que la majorité de votre famille habite quand même près de chez vous, logiquement on envoie le save the date à peu près à partir du moment qu'on a la date et le lieu qui sont fixés. Donc on calcule entre un an et demi et un an avant le mariage, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos save the date pour pouvoir annoncer la grande nouvelle à vos invités. Et ensuite, en ce qui concerne le faire-part, on va laisser le temps passer puisque l'objectif du faire-part, c'est aussi qu'il y ait beaucoup d'informations qu'on verra juste après. Mais on va laisser le temps passer pour pouvoir l'envoyer plutôt entre 6 et 4 mois avant le mariage où généralement, on laisse environ un mois de délai à vos invités pour qu'ils puissent répondre. Voyons maintenant ce que vous attendez, je pense, le plus, ce sont les informations que vous allez pouvoir ajouter à votre faire-part. Alors sur le faire-part, vous avez beaucoup plus d'informations tout simplement parce que là, vous allez vraiment être au courant de tout ce qui va se passer. Bien évidemment, on n'oublie pas de mettre les prénoms, ça paraît bête, mais c'est quand même essentiel et donc ne l'oubliez pas. Ça fait un peu partie de ces anecdotes dont je vous avais partagé sur Instagram, de souvent les mariés oublient de se compter quand ils confirment le nombre au traiteur. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc on commence vraiment sur la base où vous n'oubliez pas de mettre vos prénoms. Ensuite, bien évidemment, la date, le lieu, mais aussi l'adresse. Ça ne suffit pas de mettre une région où vous allez vous marier, mais plutôt vraiment toutes les informations. Et ensuite, vous allez mettre l'heure. En revanche, l'heure que vous allez mettre sur le save the date, ça va être l'heure à laquelle vous allez, sur le faire part, pardon, ça va être l'heure à laquelle vous allez attendre vos invités. Mettez toujours une heure qui va être avant votre cérémonie. C'est-à-dire que si vous avez une cérémonie civile à 15h30, on va donner plutôt rendez-vous à 15h aux invités. Donc sur le faire part, vous allez mettre rendez-vous à 15h à la mairie de telle ville, par exemple. Donc prévoyez toujours de mettre une demi-heure avant, puisqu'il y a toujours des retardataires et en général, les invités savent que quand ils ont rendez-vous à 7h, c'est que généralement la cérémonie commence un petit peu plus tard. Dans tous les cas, il faut toujours prévoir large pour que tout le monde puisse arriver à l'heure, en général quand vous allez faire votre déroulé. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter d'autres informations qui vont cette fois-ci pouvoir vous aider vous-même. Alors, vous allez pouvoir faire un petit carton de réponses qui vont pouvoir vous retourner, mais vous allez pouvoir ajouter dessus déjà qui vous précise le nombre de personnes, est-ce qu'ils seront là à toutes les cérémonies et au repas. Vous allez pouvoir les laisser cocher, vous allez pouvoir leur demander combien est-ce qu'il y aura d'enfants qui seront présents. Vous pouvez également en profiter pour leur demander s'ils ont des allergies alimentaires, est-ce qu'ils ont des restrictions allergiques au gluten, ce qu'ils ne peuvent pas manger pour pouvoir adapter leur repas et être sûr qu'il n'y ait pas de gros problèmes et de catastrophes le jour J à cause d'un accident alimentaire puisque personne ne pouvait pas manger certaines choses. Donc n'hésitez pas à le demander. Et pour aller plus loin sur les faire-part, vous pouvez même les faire participer. Si vous avez envie que chacun de vos invités puisse mettre une chanson de leur choix pour les faire danser le jour J parce que vous avez aussi envie d'avoir leur avis pour pouvoir faire une playlist qui va plaire un petit peu à tout le monde, bien évidemment vous aurez le dernier mot et vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les chansons. Vous pouvez également leur mettre une chanson qui nous fait danser et comme ça ils pourront eux-mêmes l'écrire. Donc voici globalement toutes les informations que vous allez devoir y ajouter qui sont hyper importantes et qui vont pouvoir vous aider. Au niveau du nombre de personnes, du nombre d'enfants, à quel moment ils vont être présents, ce sont vraiment des choses que vous ne pouvez pas oublier si vous voulez avoir des informations concrètes que vous allez devoir après confirmer auprès du traiteur et parfois auprès du lieu. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche un petit peu, qui est toujours un petit peu compliqué, qui je sais vexe souvent des invités, c'est le fait de, on ne se rend pas compte à quel point il est difficile d'avoir des réponses en temps et en heure de la part de 100% de vos invités. En fait, encore une fois, je pense que quand on organise son mariage, on est tellement dedans, c'est tellement notre priorité qu'on en oublie que c'est pas forcément la priorité de tout le monde. Vous avez les personnes qui vont pas forcément être les personnes les plus proches, qui travaillent, qui sont un peu overbookés toute la semaine et qui ne pensent pas sans arrêt à votre mariage. Donc des fois, on a vite fait de voir un papier, de dire « Ah ben, je répondrai la semaine prochaine » et en fait d'oublier. Et ça, ça fait que du coup, parfois, vous avez du mal à obtenir des réponses. Et pourtant, c'est primordial pour vous puisque vous avez besoin de vous organiser. C'est quand même nécessaire. Donc, il existe des petites techniques que vous allez pouvoir ajouter qui vont faire que vos invités vont avoir envie de répondre. Déjà, j'ai envie de vous dire « Justifiez-vous ». Normalement, on n'a pas à se justifier. Et en fait, on s'est rendu compte que plus vous allez vous justifier et expliquer pourquoi c'est important que vos invités répondent, plus vous allez avoir de chances de pouvoir avoir des réponses. Je m'explique. Par exemple, si vous mettez « merci de nous répondre avant le 30 décembre »,
parce qu'on a vraiment besoin de confirmer auprès du lieu le 1er janvier le nombre total d'invités. En disant ça, en fait, ça nous fait tilt en tant qu'invité. On se dit, alors oui, si on n'a pas répondu avant le 30 décembre, du coup, ils vont devoir confirmer sans nous et on ne pourra plus y aller. Donc, en leur mettant des petites phrases de justification, vos invités, normalement, comprendront un petit peu plus et comprendront que vous avez absolument besoin d'une réponse avant cette date-là. Alors, même si je ne l'ai pas mentionné avant, bien évidemment, mettez toujours un délai de réponse pour qu'ils puissent savoir à quel moment il est important de répondre, et en plus de ça, la petite phrase qui suit qui va venir justifier cette date et pourquoi il est si important que vous ayez besoin de tout ça. Il y a ensuite des invités qui décident de faire des petits cadeaux qui accompagnent le faire part. Ça peut être un petit cadeau, un porte-clés, ça peut être plein de choses que vous allez décider ou pas. Ça se fait quand même de plus en plus. Moi, j'ai des maris qui créent même aujourd'hui des faire part qui sont sur un autre format que le format papier ou encore site internet ou digital, mais c'est plutôt quelque chose d'utile. Ça peut être un magnète pour le frigo qui est en fait vraiment un faire-part ou un save the date ou une invitation. Et quand on reçoit cette petite attention de la part de quelqu'un, bah en fait déjà on a envie de dire merci. Merci parce que c'est un cadeau et c'est la première des choses qui nous vient à la tête, c'est de pouvoir remercier les mariés de nous avoir fait ce cadeau-là. Donc inconsciemment, si vous ajoutez vous un petit cadeau au faire-part, vous allez normalement pouvoir avoir des réponses plus rapides puisqu'ils vont penser à se dire bah il faut absolument qu'on dise merci et du coup qu'on leur envoie un petit message et on va en profiter pour leur confirmer ou non notre présence le jour du mariage. Et maintenant, j'ai envie de terminer par un petit bonus supplémentaire, c'est de vous rappeler que si vous imprimez vos faire-part, n'hésitez pas à en imprimer un petit peu plus que prévu. Alors bien sûr, on ne va pas imprimer un faire-part par personne, mais plutôt un faire-part par famille, mais même comme ça, comptez large. Je crois qu'en fait, pour le mariage, c'est le maître mot de l'organisation du mariage, c'est voir large, c'est compter large. Ça marche au niveau du budget, ça marche au niveau du déroulé, ça marche au niveau des faire-part, voyez large. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je pense que la première des choses à laquelle on pense quand on dit voyez large, c'est si jamais quelqu'un de vos proches perd le faire-part et voudrait quand même pouvoir le conserver, donc vous allez pouvoir vous le renvoyer. Ou alors, vous allez pouvoir en imprimer plus pour pouvoir avoir un souvenir déjà pour vous, parce que ça fait partie de la décoration et de toute votre ambiance mariage. Et en plus de ça, ça va pouvoir vous aider aussi le jour J pour que vous puissiez vous organiser un petit shooting photo avec votre photographe qui va prendre en photo votre papeterie accompagnée de vos bijoux, de votre parfum, de vos chaussures. Je pense que vous voyez très bien le style de photo dont je parle, qui sont souvent très jolies des préparatifs de la mariée. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur tout ce que j'avais envie de vous dire. Sachez que tout ce que ces conseils et encore plus de documents qui vont pouvoir vous aider à faire des brouillons, à rien oublier, font partie d'un module du coaching. Le module numéro 11 qui vous permet de voir toute la papeterie en entière de votre mariage, donc du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je vous rappelle que vous avez le premier rendez-vous qui est offert et sans engagement, un rendez-vous avec moi en visio où vous allez pouvoir me parler un petit peu de votre mariage et où je vais moi à mon tour pouvoir vous partager mon écran afin de vous montrer l'intérieur de la plateforme, des cas concrets avec mes clients pour que vous puissiez vous faire une idée beaucoup plus claire de ce qu'est ce coaching, ce qu'il comprend pour voir s'il pourrait vous aider pour votre mariage. Un grand merci comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.